Ah ben là. Ah ça c'est un public, hein. Ah merci, hein, vraiment. Je pensais pas que. Bonjour. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde pour venir parler du rugby, quoi, pour écouter. Parce que vous savez, vous êtes venu pour le rugby. Hein, Oui, vous entendez bien là, ça va? Hein? Bon. Donc voilà, vous avez passé une soirée, deux petites heures comme ça, sur le rugby. Et donc, il va falloir que je vous explique un petit peu les règles, parce que je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ne comprennent rien au rugby. Oui, alors que nous sommes quand même dans la ville, la capitale du rugby, à Toulouse, quand même, hein, s'il vous plaît. C'est un peu faible, hein. Oui, c'est vrai qu'en ce moment... Donc, je vais vous expliquer quelques règles. D'abord, vous le savez, le rugby, c'est un sport hautement intellectuel. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ceci. Vous connaissez cet objet ? Voilà, c'est le tableau noir sur lequel, évidemment, nous procédons à l'ensemble des tactiques avant chaque match. Vous connaissez cet objet aussi ? Voilà, alors, dans le jargon rugbystique, on appelle ça référentiel bondissant aléatoire. Voilà, hein, on ne prévoit pas tout. Hein, voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand même, le rugby est un sport très, très intellectuel. Dans une équipe de rugby, il y a 15 joueurs. Alors en général, c'est 15 joueurs contre 15 autres joueurs, hein, d'accord ? Et puis au milieu, il y a un arbitre. Ça, c'est... Voilà. C'est pour vous dire que si jamais vous vous endormez, j'ai les moyens de vous réveiller. Et donc, ces 15 joueurs se répartissent en deux groupes. C'est très important de connaître ça, parce que autrement vous n'allez rien comprendre si vous ne vous prêtez pas d'attention. Oui, allez-y, buvez des bières, je vous en prie. Non, mais... Oui, c'est rugby, quoi, hein, ce soir. Donc... 15 joueurs, il y a d'abord les avants et les trois quarts. Alors les avants, ça va du numéro 1 au numéro 8. On les appelle familièrement les gros, hein, parce que c'est souvent des costauds, oui, c'est les solides, quoi, les avants. Ils vont péter, tout ça, comme ça, ils parlent toujours, les avants. Et puis ensuite, il y a les trois quarts, on les appelle les gazelles, hein, c'est court comme ça. Et c'est eux qui se font des passes, vous voyez, qui vont marquer des essais. Ça va du numéro 10 au numéro 15. Ça, c'est les gazelles. Et puis, oui, voilà. Il y a quand même un numéro, c'est le numéro 9. C'est un peu un poste un petit peu à part. Si vous voulez, c'est le numéro 9, c'est un petit peu la charnière de l'équipe. C'est celui qui introduit le ballon dans la mêlée. Déjà, vous voyez la sensualité. C'est celui qui récupère le ballon pour décider, comme ça, d'ouvrir sur ses trois quarts qui vont aller courir avec le ballon, ou bien pour donner aux gros qui vont aller péter. Et, alors, si vous voulez, le demi de mêlée, c'est aussi l'intellectuel de l'équipe. En général, c'est le poste clé. C'est celui qu'on... Voilà, en général, ce poste-là, on met le mec le plus... voilà, qui... Ben voilà. Pardon ? Le plus mal gaulé. Non, pas du tout. Ça, ce sont les mauvaises langues, ce sont les jaloux qui disent ça. Non, non, on met, voilà, le mec qui est stratège, quoi. Je joue demi de mêlée. Bon. Bien. Alors, dans une équipe... Il y a, dans un match de rugby, parce que ce soir vous allez assister à un match de rugby, hein. Ah oui, absolument, vous allez voir. Dans un match de rugby, il y a en général deux temps, deux demi-temps. Et puis, souvent, à la fin de la deuxième mi-temps, on dépose les armes et on va boire des canons, c'est la troisième mi-temps. Et en général, les rugbyman aiment énormément la troisième mi-temps. Mais avant de commencer, quand même, ce qui est important, c'est de s'échauffer. Parce que le rugby, c'est un sport de contact. Alors, pas du tout violent, hein. Il y en a qui disent... Non, non, pas du tout. C'est juste un sport de contact. Alors, pour cela, il faut s'échauffer, parce qu'autrement, on pourrait se faire très mal. Alors, je vais vous demander donc de vous échauffer avec moi. Hein. Donc, on va se lever et on va mettre un petit peu de musique. Allez-y, levez-vous, je vous en prie. Voilà, voilà, on va faire un peu d'échauffement. Voilà, allez, tu peux envoyer la musique. C'est plus sympathique. Voilà. Hein, vous connaissez ? Alors on va commencer par s'étirer, on va lever les bras au ciel et on va grandir sur la pointe des pieds. Et on relâche. Encore un coup. Allez,
Hop, 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 on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. Plus difficile, on va faire des petites flexions. Et sur les cuisses, allez, on descend, flexion, extension. On refait encore un coup. Flexion, extension. Ah, c'est pas mal ce soir au bijou, vous êtes pas mal. Alors, au rugby, il faut évidemment se chauffer les articulations. Alors, on peut commencer à se chauffer les épaules doucement. Voilà, allez-y, attention à vos voisins. Hein. Voilà, parce que pour les plaquages, c'est quand même meilleur de se chauffer. Voilà, alors, au rugby, vous savez, l'endroit le plus sensible, ce sont les cervicales. Donc, se chauffer les cervicales, c'est essentiel. Et là, je vais vous demander, mesdames et messieurs, d'être extrêmement attentifs et de me suivre. Et de ne pas faire davantage que ce que je vous indique. Alors, commencez par pencher la tête comme ça. Voilà, un coup là, un coup là. Un coup devant aussi. Ah oui, ça c'est bien. Un petit coup derrière. Voilà. On repasse à gauche. Ensuite, à nouveau à droite. Hop, hop, attention, pas à l'extrême droite, vous risqueriez la fracture. Voilà, ensuite, on va faire une rotation de la gauche vers la droite et vous revenez évidemment à gauche. Voilà, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Et là, vous voyez, tout de suite, on se sent beaucoup mieux. On se sent proche les uns des autres, hein. C'est un sport de contact, un sport chaleureux, un sport convivial, un sport collectif. Alors, dans cette équipe, évidemment, dans ce match, il va y avoir deux équipes. Il va falloir que je vous présente les deux équipes, hein, de ce match. Alors, on a décidé comme ça, arbitrairement, de faire les rouges contre les bleus. Bon. Hein. Alors, les bleus, c'est le système capitaliste. Voilà, on les appelle comme ça, le capitalisme ou le système néolibéral. Et les rouges, ce sont les travailleurs. Appelé aussi parfois le facteur humain. Enfin bref, c'est ceux qui vendent leur force de travail contre une rémunération. Bon, d'accord, vous allez me dire, c'est un peu caricatural tout ça. Oui, c'est sûr, mais c'est une métaphore le rugby. Donc forcément, dans toute métaphore, il y a un peu de caricature. Mais parce qu'il faut bien préciser quand même que chez les travailleurs, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Parce que chez les travailleurs, on a les ouvriers, les employés, mais on a aussi les cadres. Les managers, ah oui, chez les travailleurs, il y a tout ça, quoi. Il y a aussi les demandeurs d'emploi chez les travailleurs, oui, parfaitement, ce sont des demandeurs d'emploi, mais ils sont travailleurs également. Les femmes au foyer, hein, qui travaillent également au foyer, même si elles ne touchent que rarement des rémunérations. Donc, les managers, les dirigeants, absolument, cher camarade. C'est derrière, oui, oui, je... Oui, oui, oui. Oh, vous avez raison de dénoncer vos petits camarades, ça sert toujours. On sait où ça nous mène. Donc, dans cette partie, ben, vous ferez du coup les transferts qui s'imposent, hein, et vous verrez bien ce qu'il en est. Alors, j'ai oublié des trucs, parce que aussi, il se passe des choses dans cette conférence, c'est que parfois, j'oublie des choses. Alors, dans les vestiaires des rouges, après l'échauffement physique, c'est l'entraînement mental, hein, la préparation mentale. Et pour cela, c'est un ancien qui s'y colle. Un vieux bonhomme que tout le monde respecte, justement, pour son expérience. On l'appelle Pépé Gaïché. Pépé Gaïché. Vous connaissez cet ustensile ? Oui, alors, plus précisément, c'est vrai, c'est un balai. Hein, vu comme ça, ça semble évident, c'est un balai. Mais c'est surtout l'outil principal dans les métiers du bâtiment. Avant de commencer à travailler dans le bâtiment, enfin d'être maçon, d'abord, on apprend à manier le balai. C'est essentiel. Alors moi, quand j'étais ado, je bossais l'été comme manœuvre sur les chantiers de bâtiment. Voilà, En fait, on m'avait proposé d'être surveillant de baignade, hein, à la piscine municipale, mais regarder toute la journée du haut d'une chaise des filles s'ébrouer dans la piscine, non, c'était trop. Je préférais la dure et virile loi du bâtiment. Puis bon, je ne sais pas nager non plus.
Donc, je me retrouve sur un chantier avec Pépé Gaïché pour démolir un escalier qui menait à une cave. Alors, toute une journée à démolir un escalier, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, avec un marteau-piqueur. Toute la journée, comme ça, démolir l'escalier au marteau-piqueur, c'était terrible. Et le soir, vous continuez à vibrer encore dans votre lit, tellement les vibrations continuent dans tout votre corps. C'est terrible. Pépé Gaïché, c'était un vieux bonhomme. On l'appelait Pépé. Mais c'est le genre de type qui avait dû être vieux toute sa vie. Il y a des gens comme ça, ils sont vieux dès qu'ils sont jeunes. Alors c'était un bossu, mais alors un vrai bossu, hein, pas le semblant, quoi, le vrai bossu. Oui, le bâtiment, ça lui avait fait pousser la bosse, hein. Pas la bosse des maths, hein. Mais ça y avait fait vraiment pousser la bosse parce qu'il avait commencé à bosser vers 11 ans, quoi. On l'avait mis chez un apprenti, il était parti comme apprenti chez un patron, puis après il avait fait les compagnons du bâtiment et puis il était devenu maçon expert. Les compagnons de bâtiment de France, évidemment. Il avait fait le tour de France, Pépé Gaïché. Ce type-là, il était super gentil, il gueulait jamais. Alors, dans le bâtiment, les chefs d'équipe qui ne crient pas, c'est tellement rare que quand on en rencontre un, on a envie de lui baiser les pieds. Enfin, pas tout à fait, quand même, surtout celui-ci. Et donc, une fois que j'ai eu terminé de démolir cet escalier, eh bien, j'ai pris l'instrument principal du bâtiment et j'ai balayé pour nettoyer tous les gravats et faire place nette pour Pépé Gaïché. Parce que c'est là que Pépé Gaïché entre en piste, avec son maître, son simple crayon de bois, comme ça, et son œil avisé, son expertise et son expérience. Et là, devant moi, devant mes yeux d'adolescent, il se met à tracer sur le sol ce qui allait devenir un véritable chef-d'œuvre. Un escalier balancé, avec ses marches rayonnantes. Il n'avait pas d'ordinateur. Il avait fait ça comme ça, à l'œil, juste avec son expertise, son savoir-faire de métier. Et c'est là, mesdames et messieurs, pour la première fois que j'ai compris ce qu'était l'intelligence au travail. C'est là, pour la première fois, que j'ai vu ce qu'était travailler selon les règles de l'art. Alors, allez savoir pourquoi, quelques années plus tard, je suis devenu ergonome. Vous connaissez l'ergonomie? Ça vous dit quelque chose, l'ergonomie? Oui? Oh, ben oui, alors c'est quoi pour vous l'ergonomie? La posture au travail. La posture au travail, d'accord. D'autres choses? Adaptation du poste de travail. Le confort au travail, oui, d'accord. Les bonnes conditions. Vous rigolez, là. Ne me dites pas que vous savez ça comme ça. Dans les médias et tout ça, on parle de quoi? La brosse à dents ergonomique. L'écran d'ordinateur ergonomique. Le fauteuil ergonomique. Ah, le fauteuil ergonomique. Alors, presque le salarié ergonomique, oui. Mais le fauteuil ergonomique, c'est à l'ergonomie ce que le journal de 13h de TF1 est à l'information. Une imposture. Oui, non, l'ergonomie, effectivement, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Ça considère l'homme au travail dans toutes ses dimensions, de ses dimensions physiologiques jusqu'à ses dimensions sociales et psychologiques également. Quand on travaille en ergonomie et qu'on travaille dans les situations de travail, on travaille du poste de travail, de la posture, mais bien au-delà, jusqu'à l'atelier. De l'atelier jusqu'à l'organisation du travail, et de l'organisation du travail également, on peut penser la stratégie industrielle de l'entreprise. Mon pote Francis dit toujours, faire de l'ergonomie, c'est rêver qu'un jour les gens partent au travail en sifflant, et c'est œuvrer pour cela. Alors, quand Francis dit ça, il ne faut pas se méprendre. Il ne dit pas, il suffit de dire aux travailleurs que tout est merveilleux dans le monde du travail et youpi, tralala, un petit coup de méthode couée et c'est parti. Non, pas du tout. Quand Francis intervient en tant qu'ergonome, consultant dans les entreprises, c'est pour restituer aux travailleurs la connaissance de leur travail. Cette connaissance qui leur a été subtilisée par l'organisation du travail, par le bureau des méthodes, par le système gestionnaire. Quand Francis y va, c'est vraiment pour donner ce qui est l'essence même de l'intelligence des travailleurs, la connaissance de leur propre travail.
Moi, j'ai travaillé avec Francis pendant des années et j'ai compris la complexité des situations de travail. Vous savez, parfois, on vous dit, bref, le travail, c'est pas compliqué, quoi. C'est le bon sens. Ah, c'était le bon sens, il n'y aurait pas tant de problèmes, quand même. Hein. Non, le travail, c'est pas le bon sens. Le travail, c'est complexe. Et donc, avec Francis, j'ai compris ça. J'ai mesuré aussi à quel point il y avait de plus en plus de gens qui souffraient dans le monde du travail. Et d'ailleurs, depuis 15-20 ans, et c'est une nouveauté, ça n'existait pas auparavant, il y a des gens, vous le savez, qui se suicident aussi sur les lieux de travail. Et ça n'existait pas auparavant. Il s'est donc passé quelque chose en 20 ans, ici, en France, mais pas qu'en France, parce que les suicides au travail se passent aussi au Japon, se passent aussi dans d'autres pays du monde, au Brésil, au Québec. Donc ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, la question des suicides au travail. Et ce soir, dans cette conférence gesticulée, c'est de ça que je suis venu vous parler, de la question du travail. Et d'ailleurs, vous allez voir, je vais utiliser aussi plein de mots que je vais afficher comme ça, pour qu'ils nous restent bien en mémoire. Donc on va parler du travail, ce qui n'est pas du tout la même chose que la question de l'emploi, qui n'est qu'un élément, évidemment, connexe au travail. Mais le travail est beaucoup plus complexe, je ne rentrerai pas dans le détail, ça nous amènerait autrement beaucoup trop tard, et je crois que quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, dans cette conférence gesticulée, on va parler essentiellement du travail. Alors, conférence gesticulée, je sais, le terme est un peu bizarre. Hein. Alors, vous avez compris, ce spectacle, ce n'est pas vraiment du théâtre. Hein. J'ai des notes et tout ça, des fois je vais les voir, hein. vous ne faites pas gaffe, hein. je regarde mes notes. D'ailleurs, c'est une astuce là, en le disant pour voir où j'en suis. Et si, voilà, effectivement, voilà, j'avais loupé des trucs. Et donc je vais voir mes notes, donc voilà, ce n'est pas tout à fait du théâtre, je ne connais pas les trucs par cœur, on s'en fout d'ailleurs. Et ce n'est pas non plus tout à fait une conférence, vous avez remarqué, les conférenciers en short et en crampons, qui plus est avec un élasto, c'est assez rare. Voilà. C'est en fait un espèce de mélange, la conférence gesticulée, entre les savoirs chauds et les savoirs froids. Les savoirs chauds, ce sont les savoirs de l'expérience. Et nous en sommes tous dépositaires. Nous avons tous des savoirs de l'expérience. Mais ces savoirs-là, ils ne sont pas valorisés dans notre société. On considère qu'ils ne sont pas importants. On privilégie davantage les savoirs froids, qui sont les savoirs savants. Les savoirs des intellectuels, des scientifiques, ils sont importants, ceux qui sont dans les livres. Et donc la conférence gesticulée tente de faire un mélange entre savoir chaud et savoir froid. Et ça ne fait pas du savoir tiède, ça fait de l'orage.